Il y a 10 ans, donc on s'est lancé ici en ce moment ça. On s'est lancé dans une aventure. Une aventure qui était donc mettre en place une association pour faire transformer. On ne savait pas trop comment. Et donc aujourd'hui, 10 ans après, on a fait un petit bilan. Sur Saint-Martin-d'Arrossa, on a créé une association foncière pastorale. En 2003, on a pris un périmètre bien défini. On a pris donc 1046 hectares de terre. Et sur ces 1046 hectares de terre, on a 99 propriétaires des terres, qui en fait sont devenus les adhérents de l'AFP, de l'association foncière pastorale. Asoziazioen hori sortu zen mendian, mendiko aktivitatean hobetzeko, garatzeko eta ardidunek eta erreztasunak emaiteko laneko bideak eginez, hurrak zarriz kabalendako eta abar. On va voir la carte tout à l'heure, c'est impressionnant. On a des parcelles qui vont faire peut-être 10 arbres, d'autres qui vont faire 20 arbres, d'autres qui vont faire peut-être 1 hectare, mais peut-être qu'on va trouver une parcelle de 5 arbres. Goizuntan ospatu dira Asociación Foncière Pastoral horren 10 urteak. Beraz, kari horretarat nahi izan du, elkarteak nahi izan du ireki eta kanpoko jendeak bilkura hori, gomitatuz, argi esaldeko Asociación Foncière Pastoral batzuetako kideak, Hot Pirinetakoak, departamendu mailan den federakuntzako kideak, eta horik denek ekarri dute beren lekukotasuna eta Arrosakoak ere ba. Nun zer egiten den, nahi duzu ikusmolde horik eta lan horik, eta hor elgarretaratu dira eta debate bat izan da horren ingurien. Oui, je le sais parce que j'ai été chercher la carte et puis sur la carte avec le numéro qu'elle m'a montré. Parce que si on n'avait pas fait d'AFP, j'aurais jamais pu savoir. AFP batek, ba, egia izan dain argi esaldean ala Arrosan, helburu berak ditila, mendiko alapideen kudeantza eta horik. Ordean, hor, zain pixkat ikusteko, ale, badira berezitasun batzu, gunen arabera. Konparazioen, hor, kausitu duen diferentzia bat da, Arrosako asoziazioenia beti administrazioenak debekatu du eta pribatu mailan sosa ezartzea. Egan nahi behita, bat ditu Arrosan eta mendian eta pentsiak dituzten laborariak eta hurso berakina badau, asoziazioak egintu hurkartziak eta hurso berakina badau, eta ez gira haizu laborari hori pribatuik emeitea. Bakarrik poron uzaz kolektif erten denezela, hori izan da. Eta aldiz, hori ikusi dugu konparazioen argi esaldian, komunote de komunen bat eta implikatia eta asoziazioen foncière pastoralan sustenguz, eta diru laguntzak ere emaiten, eta han beste legiaren, beste interpretazioen bat dute, eta balima dira mendi pareta batean proiektu pribatuak eta proiektu kolektiboak, denak berdin diruztatzen dituzte, hori hemen ez da gert, hemen ezin da, mementoan, eta asoziazioenean dako, ahengura handiak ziren horretan, zenta hur soberakina ba, eta laborariotek ez baliatzia, ez da nokma alalare. Bilkuratik landa, behaz bildu gira Arrosako plazan, eta han, otoak baziren prestatiak mendiko oto horitaik, eta mendian gaindi bili gira, ardien edangiak ikusten, kojaleak ikusten, bide berriak ikusten, horik denak ikusitu. Alors, on a vu qu'il y avait un abreuvoir en bas, il y a un deuxième abreuvoir ici, et tout le parcours qu'on fera, donc, il y aura d'autres abreuvoirs. Maintenant, par rapport à l'installation d'eau, c'est en face là-bas à la montagne, on le verra, on le voit d'ailleurs là-bas au-dessus de la borde, il y a une citerne d'eau. Et donc c'est de cette citerne d'eau, il y a de l'eau qui vient d'un captage beaucoup plus haut. Bon, mais en 10 ans, l'AFP au niveau global, on peut se dire qu'elle a permis de lancer une dynamique collective.
ça a créé une certaine mouvance. Et cette mouvance-là, en fait, ce n'est pas seulement que les agriculteurs, il y a aussi les randonneurs, il y a aussi les archéologues. On a réuni un ensemble d'utilisateurs de la montagne dans le travail qu'on a fait. Et du coup, avec les réalisations qu'on a pu faire, on a réussi à conforter les exploitations agricoles avec des amenées d'eau, des amenées de pistes, des parcs de contention, avec une baignoire collective qui a été rénovée. Konkretuki guk mendia baliatzen ginen, ahdiekin, udan. Baliatzen ginen mendian, uriketzen. Ara, ura zagi da, eta ikusten du, gure ahdiak biziki hobeki direla, demora gehiago baliatzen du mendia, eta gainerat, mendi horietan, lehen beti suia sartzen ginen garbitzeko. Hasi da Asociación Foncière Pastorala, hasi da mendia tresnaz garbitzen. Girobraioak ditzen dien tresna hori ikinta, mendipa eta garbitutu zumeit urtez. Eta hori sartu da laborarien espirituan. Oden, konpazionek gure ahdien alapidea urte guziz, gua horrek guan masinekin garbitzen dugu suia miteko partez. Hala, holako gauza tipi batzu dira, baina mendia hobetzen ari da, bertzen mendi, emeki-emeki gure denbora joanen da holola, baina emeki-emeki gure aurren dako mendiari bertzitsura atemean dako alapide hobe batzu ikin, eta hola. Asociación Foncière Pastorale, hor du bere helburu guzia hortan du. Les wagonnets venaient là, ils balançaient le minerai par les fenêtres là. Ça mérite rien d'autre. Voilà. Et en bas, il y a un circuit de la paix. Un circuit à thème, ce serait bien. Oui, ça oui. 10 ans après, on a beaucoup de projets. Conforter et encore installer des réservoirs d'eau et puis des amenées d'eau plutôt vers le bas de la montagne. On va continuer à améliorer les pistes, on va continuer à réfléchir où sont les besoins pour justement créer des pistes pour conforter l'agriculture et conforter aussi le loisir. À côté de ça, donc, on va mettre en place des actions par rapport donc aux écoles, par rapport aux jeunes pour sensibiliser et transmettre. On va essayer d'organiser des journées d'information pour bien montrer qu'est-ce que c'est la montagne, comment on vit dans la montagne et qu'est-ce qu'on peut faire avec la montagne. Notre piste de travail à l'avenir, c'est de creuser comment est-ce qu'on peut mettre en place justement un système de manière à ce que l'AFP elle soit maître d'ouvrage et qu'elle permette et qu'elle donne l'action d'exploiter. Ça veut dire que si je donne un exemple, on va pouvoir mettre un élevage de porcs fermiers et à ce moment-là, on va trouver le porteur de projet. Ce sera à l'AFP d'accompagner le porteur de projet et ce sera à l'AFP en fait de lui donner la possibilité d'exploiter. Et au niveau agritourisme, on va faire la même chose. On va faire la même chose, on va essayer de cibler une borde qui est en ruine, on va essayer de la retaper, de faire un gîte d'étape pour les randonneurs, on va essayer de cibler aussi d'autres bordes pour faire des abris pour les brebis. Il faut qu'on arrive un petit peu à faire une espèce de puzzle entre l'agriculture, le tourisme, le patrimoine avec les minerais de fer et puis le but, que dans 15 ans, on puisse, grâce à cette dynamique, créer de l'emploi et avoir des actifs dans le village. Indo ebilaldi bat irondina horren bat edola, eta denak antziren eta denak loriatia ziren. Eta gero, hoai ahibatu gira Bazkaiteko lekurat. Hemen gira artzintzako xahala, deitzen da, artzintza. Odonk hemen egina da Bazkaiteko lekia, eta hemen zikirua egin da, eta bestak ere honen du atxalde guzia.